Bonjour, bande de psychopathes, c'est Merlin Boss pour l'épisode 109 de Rebirth. Dans l'épisode précédent, on a joué avec Azazel et on a essayé de trouver le boss Steven afin déjà de débloquer Little Steven et on a enfin réussi. On a pu recharger un petit peu la Donation Machine pour se rapprocher des unlocks de la Blue Candle et de la Stopwatch. D'ailleurs, du coup, j'ai check et la Blue Candle, c'est bien à 900 pièces. Et bon, c'est bientôt du coup. Mais aujourd'hui, on va jouer avec Isaac parce que ça fait vachement longtemps. Et on va donc essayer de faire un peu de breaking et de trouver certains objets qui lui manquent. Donc c'est parti. Bon, par rapport à Steven, il nous manque encore donc l'objet alternatif, hein, donc le damage up Steven. J'aime bien Little Guiche, donc je vais le prendre, même si bon. Mais il a pour reroll, mais. Bon, j'ai l'impression qu'il nous manque surtout pas mal d'objets de Secret Room, donc il faudrait la prendre. Bizarrement, il nous manque aussi la Pandora's Box, que j'avais quand même eu. Je suis plus sûr, je l'ai peut-être eu dans la run avec Lazare, celle qui n'a jamais été enregistrée. Et apparemment, ça n'a pas été comptabilisé. Bon, il y a dû avoir un gros bug, je ne sais pas trop. Apparemment, on a eu tous les objets, donc Soul, Mind, Body. Je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est un peu con pour les bombes, d'ailleurs. J'aurais dû attendre un peu. Bon, on prend déjà du damage, mais c'est pas grave. Donc ouais, encore un épisode post-taf, hein, mais... Mais bon, voilà. Je bosse pas la nuit prochaine, donc ça devrait aller. Ouais, par contre, ce niveau, il me dit pas grand-chose, hein. Je suis pas très fan de ce qui se passe, là. Voire pas du tout. Et là, on tombe sur Little Steven. Enfin, sur... non, là, on tombe sur Steven direct, ce serait assez drôle. Donc, ouais, par rapport à Steven, donc... Ouais, non, c'est absolument rien que j'ai ici. Je suis tombé sur de nouvelles techniques, enfin, techniques plus simples et plus rapides afin de trouver l'objet Steven à l'avenir. Donc il suffit de faire juste le premier niveau et de reset à partir du moment où on arrive au boss. Donc on ne prend pas la peine de tuer le boss et de voir si on a Cellar ou d'essayer d'avoir Cellar Basement 2, etc. En gros, on arrive au premier boss de Basement et si c'est pas ce qu'on veut, on reset. Donc ouais, c'est sans doute plus rapide. Bon, là, je joue très mal, mais c'est pas grave. Hein. C'est encore le premier niveau, donc on s'en fout. Il n'y a pas d'histoire de Devil Deal ici. Et d'ailleurs, ouais, il faudrait peut-être qu'on essaye d'avoir Danger Rooms, donc bon. Par contre, il faudrait que j'évite de crever aussi, ça peut être bien. Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus en hard mode, donc... On a des cœurs. Pratique. Ah, c'est vrai qu'au final, le hard mode, il n'y a pas... d'utilité que ça, enfin c'est le jeu est juste plus dur dans le sens où on a moins de cœur et moins de chances d'avoir des devil deal ou des trucs bien quoi au final. Plus de cœur sans et surtout plus de trucs chiants en fait, c'est même pas de la difficulté en soi, c'est juste voilà. Faudrait qu'il fasse un vrai hard mode un jour. Nice. Pour une fois que c'est pas le layout qui m'empêche de choper ces machins. Il y a des trucs intéressants ici, mais bon. Une rune, ça donne envie. Et de faire gaffe. Bordel. Ah, enfin, la rune perce trop. Bordel de merde, que j'avais jamais eu. Bon, du coup, c'est con. Maintenant, si on trouve Blankard, c'est fini, mais bon. Bah, du coup, ouais, ce serait pas mal de garder la rune. Plutôt que d'utiliser. Parce que, ouais, il suffirait de trouver le Sharp Plug plus. Non, c'est pas que je me. Ouais, bon, si. Ah, je sais pas, bref. Judas Shadow. Il me semble que je l'ai déjà eu. Bon, ressusciter en tant que Dark Judas, ça peut être intéressant.
Donc ouais, bon, on va le prendre. On verra ça plus tard. Mais bon. Ouais, ils mettent pas par contre niveau bombe, etc. Là. Merci. Bon, n'oublions pas que ce qu'on veut aussi, c'est trouver des objets dans la secret room. J'ai aussi une tinted rock là. Bon. Favoriser la secret room. Une batterie, hein, ça nous fait un réel de plus. Bon, pour le coup, on n'a pas grand chose à reroll pour l'instant. Donc c'est un peu con, mais. Bon. Avec. Au final, est-ce qu'on veut prendre le David D ou est-ce qu'on veut plutôt essayer de. Non, je pense qu'on va miser sur les Angel Rooms. Essayer de trouver la Godhead. Ou quelque chose dans le genre. Ça peut être pas mal, ouais. Ouais, bon. Bon, pour l'instant, niveau thune, ils mettent pas non plus, hein, donc ouais, pour trouver... Il est maintenant 9h. Merci, Canadien. Pour trouver un truc dans le style Sharplug, ça va être compliqué, mais bon. Enculé. Bon, de toute façon, on n'aura pas de... Mais en fait, c'est pas bien, ouais, c'est pourri qu'on ait pas de Devil Deal. Parce que tant qu'on n'a pas vu de Devil Deal, on ne peut pas avoir Danger Room, donc... En fait, c'est pas cool. Range down, ouais, il va te faire foutre. Dingle, bon. Dans l'absolu, on peut toujours avoir un Devil Deal, mais bon, il y a peu de chance quand même. Vu qu'on s'est fait toucher durant ce niveau. Ah, j'aime bien quand il est slow comme ça. Bon, on a vraiment un damage pas terrible, hein, c'est sûr, mais... Qu'est-ce qu'on peut... Bon, l'idéal, ce serait qu'on ait quand même un David Deal, mais évidemment non, parce que le jeu est un connard. Hein. Toujours, toujours... Super connard, oui, c'est moi... Balls of Steel, ouais, évidemment, j'ai ça maintenant, hein. Je peux absolument rien foutre dans ce niveau, c'est dingue. C'est très con. Ah non, plus on a une batterie quoi, c'est débile. On aura dû reroll l'objet du boss, la coin purse, mais bon, ça m'a fini un Balls of Steel donc. Bah on a un bon potentiel de reroll quoi, mais ça nous sert à rien. Bon, j'utilise ma clé, mais je vois pas trop en quoi ça va me servir. J'ai aucun moyen de trouver plus de thunes. C'est très très con. Bon. On met pas. Fait que voilà. Si je veux faire du breaking, il faudra m'aider un peu plus que ça quand même. Hein. Bon. Allez, coopère un peu parce que t'abuses. Une fuite de la vie, c'est bien. Ah, va te faire foutre. Évidemment, j'ai plus de clé maintenant. Troll lol. Wow, allez vous faire foutre, bordel. Qu'est-ce qu'il me fait là? Y'a où t'as la con. Ah. Rien à faire que de me troller lui. Encore une batterie. Non mais c'est bien, mais si j'ai rien à reroll, si j'ai pas de clé, non mais je fous de ma gueule, c'est possible. Arrête de me troller, connard. What the fuck? C'est quoi ces Léo dégueulasses qu'il me donne là? Tu me donnes une clé, Golden Key, merci. Bon, ça c'est réglé. Plein de batteries, mais bon.
l'instant ça sert à rien. Non, j'ai besoin de bombes. Putain, pour une fois que c'est pas le deuxième. C'est pas les autres types d'ennemis dans cette salle, ça me va. Ok, bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? De toute façon, là, on aura un Devil Deal. Et on est censé le skip pour avoir l'Angel Room. Bon, bah déjà, check ce qu'il y a dans l'Item Room. Et on verra ça plus tard. Book of Secrets, ça va être pratique. C'est pas censé me donner la localisation des Secret Rooms, ça. Bon, je suppose que ça fait d'abord l'effet compas. Bon, j'en sais rien. Mais là, quand il marche ce truc, bon, on va le reroll. Box Spider, c'est pas terrible. Ouais, vu que ça nous sert à rien de reroll les objets Devil. Pour l'instant. Bon, on pourrait aussi reroll le shop, ce qui est pas con du tout, mais pour ça il nous faut plus de thunes. Mais bon, je serais pas content d'amage up quand même. Parce que là, c'est pas terrible. Bon, les filmones, non, mais enfin, ça va, j'ai la golden key quoi. Mais... C'est vrai que j'ai eu aucune clé dans ce niveau, ce qui est complètement dingue. Bon, tu peux arrêter de me fier des trucs pourris toi, merci. Yep, qui se passe, ça c'est cool. Pouvoir le reroll aussi, ce qui est génial. Je vais même pouvoir l'utiliser dans l'absolu. Ok, ça c'est intéressant. C'est plutôt intéressant, des mouches, bon, ok. Ok, ok, bon. C'est pas ce qu'on voulait reroll à la base, mais on va faire avec. Par contre, notre damage est vraiment à chier, c'est dingue. Pourtant, on est Isaac, enfin bon. Isaac a pas un damage de malade. Bon, c'est vrai que dans nos deux dernières runs, on était à Zazel, donc c'est peut-être aussi pour ça que... La différence est assez flagrante. Il nous reste une vague, c'est dingue. Bon, allez, allez. Alors, ce qu'on peut faire avec Gupispa... Ah, nickel, ok. Bon, je vais utiliser une fois, je pense. Bon, de toute façon, on n'a pas l'intention d'avoir de Devil Deal, donc... Est-ce qu'un cœur nous sert à quelque chose, en fait? Si on ne prend pas Devil Deal. Je pense pas, donc bon. On va faire ça. Reroll en... Oh putain, c'est quoi cette merde? Enfin, je sais ce que c'est, mais bon. Ouais. Oui, cette secret room. Est-ce qu'elle peut être là? Bon, on va essayer de check tout ça. Ça peut être là. Ça peut pas être là, ok. Ça pourrait être aussi de l'autre côté. Bon, on va dire que c'est là. C'était pas là, connard. Ok, bon, on a toujours pas de bombe, ce qui est assez dingue aussi. On pourrait acheter une batterie. Et reroll à nouveau ça, et je pense qu'on va le faire, hein, parce que... On va rentrer là-dedans tant qu'on y est. Oh. Ok, évidemment, je dis que je veux pas de Devil Deal, et voilà ce qu'il me file. Ah, l'enfoiré. Et en plus, je devrais avoir le Devil Deal après avoir battu le boss, donc je devrais pouvoir reroll tout ça. Enfin, non. J'ai pas envie de reroll tout ça, de toute façon. Mais... Ouais, je dis n'importe quoi. Bon, allez, j'ai pas le choix. Hein. Je peux pas refuser ces trucs. C'est juste trop génial.
C'est juste trop bon comme David Deal pour être refusé, hein, désolé. Mais voilà. Hein. Refuser ça serait complètement con. Maintenant, avec cette charge de D6, je vais voir si je peux reroll. Ah non, mais j'ai plus rien à reroll dans le. Parce que je raconte en plus. J'ai plus rien à reroll dans la Devil Deal, donc. Donc, ouais, on va reroll Bob's Rotten Head qui sert un objet Guppy. C'est pas un objet. Non, je crois qu'en plus, ça me donne des items de. D'item pool. Enfin, de la liste des items, quoi, donc bon, on s'en fout un peu. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser ça en tant que bombe. Et maintenant, on a 15 cents, on pourrait acheter la 9 volt. Est-ce qu'on veut acheter la 9 volt? J'en ai pas l'impression. Hein. Parfois que c'est la 9 volt, ou la batterie, bon, je sais jamais. Bon, je crois que ça me donnerait une charge, mais bon. Enfin, je sais pas si ça me donne une charge. Je m'en souviens jamais. Bon, bref, on va le faire parce que YOLO, mais. Mais bon. Allez. Qu'est-ce qu'une run sans YOLO? En plus, vu qu'on a explosé nos chances d'avoir un Angel Room. Enfin, une Angel Room plutôt. On va faire ça comme ça. 9 volts et ça recharge, ok, c'était bien la 9 volts. Donc on va à nouveau reroll le truc. Double shot, oh putain, ok. Ce truc est vachement cheaté, c'est génial. On est vraiment tombé sur une super combinaison. C'est vachement cool. Ok, on est bien cheaté, bon au moins on aura une run cool, hein. À défaut d'avoir une breaking run. Bon qui sait, on peut toujours faire du breaking par la suite, hein, si jamais. On tombe sur des trucs bien. Bon, notre Devil Room on l'a déjà eu. Il était vachement bien. Allez, micro démangeaison, ça fait longtemps. Bon, j'espère qu'on va trouver des clés là par contre, parce que bon. Par la Golden Key qui m'a sauvé un peu la vie. On n'a pas eu grand chose. Donation machine, ouais, t'entends. On verra ça plus tard. Bien puissant maintenant. Oh putain, cette salle, je la hais. Ah oui. Je me demandais pourquoi j'avais du fear shot, c'est vrai que c'est. Abaddon. Ça fait un vachement un bon damage là. Faut que cette salle. Une bombe, ok. Ah non, ça fait du bien d'avoir un damage pareil, c'est plutôt cool. Bon, c'est vrai que j'ai toujours pas de clé. Un Black Heart qui ne me sert à rien pour l'instant. Je peux pas prendre surtout. Effectivement. Bah du coup ouais, c'est un peu con qu'on se débarrasser de tous nos. De tous nos cœurs rouges. Mais bon, j'avais pas prévu de prendre des Devil Deal, mais bon, quand on tombe sur les trucs aussi bien, c'est difficile de refuser. Hein. Parce que ouais, bon, pacte. Pacte Abaddon et un objet Guppy, alors que j'ai déjà trouvé Guppy Spa tout à l'heure. Enfin, juste avant. What the fuck, sérieux. Une clé. Allons dans le shop. J'espère que c'est le shop. C'est bien le shop. Bon, le machin qui nous file des clés, je sais pas si. Bon, c'est pas qu'on en veuille. Je rerollerai bien tout ça, moi. La map. Au final, qu'est-ce qu'on veut?
Un sharp plug, j'imagine. Juste comme ça. C'est vrai qu'on veut toujours essayer de faire du Greeking, hein, donc bon. Pour faire du breaking, il faut des objets pour... Oh, bordel. Je déteste ces ennemis, sérieux. Ah, qui a inventé ces merdes. Deux. Non, sérieux, crève. Merci. Il manque toujours un cent. Blood Rites, ouais, c'est cool, mais un point de tomber sur Exax Heart, ça ne sert à rien, hein. C'est marrant d'avoir cette combinaison un jour, n'empêche. Quand est-ce que j'ai gagné un cent, moi? Déjà oublié, c'est cool. Bon, maintenant, je peux potentiellement acheter... Putain d'enculé. Ah! Arrêtez de me filer des salles que je déteste, sur celui-là, hein. Bon, on va trouver le boss. Dans tous les cas, on pourra recharger tout ce qu'on veut. Je sais pas ce que je raconte. Bon, Zarki. Ouais, ça passe. Ma perte aux runes, bah c'est vrai qu'avoir blank card aussi ça peut être pas mal. Bon, est-ce que je veux échanger mon D6? Bah franchement, ouais. Hein, bon, ça me donnerait un D6 à se charger en 4 salles, il me semble. Ça peut être pas mal. Bon, pas de David Hill, bon. Ok, allons reroll notre shop. Il me semble qu'il y a une batterie dedans, donc on peut... Ah putain, cette salle, je la hais. Donc on peut la reroll deux fois. Il ne fait que des salles que je déteste, c'est dingue. Bon. Allez. Sharp plug, je prends. Bon, du coup, j'ai pas de blank card. Il y a encore une chance de l'avoir, hein. Enfin, pas dans ce niveau, bien sûr, mais... du coup, c'est un peu con qu'on ait perdu nos bombes, au final. On aurait pu faire quelque chose avec. Bon, c'est un peu bête qu'on ait pas non plus de... cœur, du coup. J'aurais bien cherché ma secret room, moi, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, on va essayer de faire cette salle sans mourir. Putain, c'est pas possible. Qui a inventé ces salles de merde? On a dû perdre 3 cœurs dans cette salle à la con, quand même. Hein. Bon, ça va, on est assez puissant, mais bon, c'est con, quoi. Bon, maintenant on a le sharp plug. Sérieusement. En plus il se transforme cet enfoiré. Donc ouais, on a le sharp plug. Mais bon, c'est vrai que sans cœur rouge, bah, c'est... on n'a pas trop géré au final. Hein. Mais bon, on a le sharp plug. Donc qui sait. Toujours le D6. L'idéal ce serait blank card. Un D6. Ah. Qui se charge en 4 salles, ça peut être vraiment être génial, donc bon. Une autre clé, ouais. Si on a trouvé du Temrum, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais. C'est déjà quelque chose. Je suis même pas sûr que blank card soit toujours dans le shop. Je sais qu'on peut l'avoir en item room aussi. C'est toujours bizarre le pulse worm.
trop ce que ça fait. Est-ce que je veux reroll ça? Pas vraiment. Enfin, j'aimerais bien trouver le shop direct en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de thunes aussi, donc bon. Même si je trouve le shop, on peut rien faire avec. Bon, sérieux, c'est sale. Non, on trouve le shop. On va y aller, hein. On peut toujours utiliser la donation machine, enfin bouffer un peu dedans pour acheter quelque chose si jamais. Donc bon. C'est une belle, pas mal, mais c'est pas ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une batterie? Ouais, ok. Bon. Ça c'était con. Oh, sérieusement! Je me suis vraiment pris 2 dégâts là. Bon. Non pas qu'on peut toujours être ressuscité en tant que Dark Judas, mais. Mais j'y vais lui. A voir qu'il faut rien, d'accord. Bon, why not, hein, merci. C'était vachement simple, hein, du coup. Attends, je vais voir ce qui se passe si je vais là-dedans. Goat Head et Dark Bum, oh putain. Bon, je pense que ouais, Dark Judas, c'est un peu... C'est un peu obligé, là. Pourquoi j'ai 2 vies? Ah oui, c'est parce que j'ai le Guppy Scholar. Ok, donc là, je devrais rester en tant que Dark Judas, parfait. Il n'y a plus rien là-dedans. J'ai vachement plus de damage. Et j'ai des vies. Et j'ai Dark Bum aussi, donc ouais. Bon, on va regagner. Ok, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. On a un truc intéressant, là. Un truc vachement intéressant. Il y a un cœur qui traîne ici. C'est pas vraiment du breaking, mais. Mais c'est un truc cool aussi. Ok, on a regagné toute la vie qu'on avait, je crois, donc c'est parfait. Là, qu'est-ce qu'on veut surtout. Ah, nickel, le. Ouais, non, mais. Ok, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas me prendre de dégâts, mais tant mieux. Ah, ouais, t'abuses là. Une golden key, ce serait limite parfait là, mais bon, on en a déjà une pas longtemps. Donc ça m'étonnerait. Ok, une deuxième. Sérieux. Une deuxième bombe. Là, qu'est-ce qu'on veut? Surtout des thunes en fait. Ah, c'est vrai qu'on a une autre charge de D6 bientôt. On veut toujours notre blind card. Hein. On n'a pas perdu la foi. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait plus de salles, donc ouais, on va faire celle-là. Dark Bum. Il y a quoi déjà là-dedans? Deux coffres, ouais, non, peut-être pas. Est-ce que je veux check ce qu'il y a là-dedans? YOLO. Ok, ça vaut le coup. Pour une clé, ok, ouais, c'était vachement cool. Eh ben, décidément, c'était une très bonne idée. Si je me souviens bien, ça peut pas être là, ouais. Je parle bien sûr de la Secret Room. Après, est-ce que je veux trouver la Secret Room ou bien... Ou bien... Je me comprends. Aïe aïe aïe, ouais. Bon. En tout cas, la Secret Room devrait être forcément là. Sinon, il y a un gros souci. Ouais, tout ça pour 3 cents, ça m'aide pas trop, hein. Mais pas vraiment. On peut toujours acheter la batterie, reroll tout ça, mais bon. C'est quoi? Je pense que je vais faire la salle avec les deux coffres. Ça, on pourra même mesurer un petit peu notre damage, hein, parce que bon. Tant qu'on est Dark Judas,
on devrait faire encore plus mal. Ok, bon, décidément. Ouais, on fait bien mal là. C'est plutôt cool. Là, il me semble que ouais, la blanche carte peut aussi être dans la secret room. J'ai l'impression qu'elle peut être partout en fait. Ok, on a gagné des bombes et des thunes. Ça, c'est pas mal. Donc on devrait être capable d'arriver à 15 cents assez facilement. Si jamais on décide de faire du un autre reroll. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, malheureusement non. Est-ce qu'on veut la batterie? Il me semble que celle-là, elle recharge pas mon truc. Mais ça me permet d'accumuler plus de charges. C'est tentant. Sachant qu'on a plus qu'un seul shop et qu'il y a moyen que ce soit grid, ouais. Pas trop envie de toucher à la donation machine, sachant qu'on a déjà bien galéré pour... bah pour la remplir déjà. C'est quoi cette salle à la con? Je suis forcément obligé de dépenser deux clés. C'est très con. Ah non, je peux dépenser une bombe à la place. Ça me va. Enfin, dépenser, utiliser quoi, plutôt. Oh putain, tout ça pour une David Card, ça valait pas le coup. Enfin, tout ça, bref, une clé quoi. Enfin bon. Bon, on va espérer tomber sur un autre shop au niveau suivant. Enfin, pour un shop qui ne contienne pas grid, surtout. Est-ce que j'ai envie d'utiliser deux bombes pour ça? Sans doute, mais on verra ça plus tard. Ok, Golden Poop, ça peut être pas mal. Bon, maintenant, on va juste espérer qu'on n'ait pas de... Attends. Vive Dark Bum, qu'on n'ait pas de grid dans le shop. Oh, sale. Ah! C'était quoi cette esquive de malade? Je ne sais pas. Alors. Serve up, ok, hein. Nice. Ok, on a trouvé le shop et on a une golden key juste là. On va essayer de l'avoir. Sans se prendre de dégâts si possible. Ouais, ouais, bah non. On a plein de batteries ici par contre. Ce qui est vachement génial. On en a une là, ok. Et pas de grid. On devrait pouvoir choper la blank card. Par contre, on risque de se prendre plein de dégâts dans le processus, mais bon. C'est le prix à payer. N'oublions pas que là, il y a Mom. Ouais, on va plus faire la même connerie que dans la breaking run que j'avais faite durant le live stream. On avait un potentiel assez énorme dans... dans Devs 2, mais j'ai oublié qu'on était dans Devs 2, du coup on pouvait plus ressortir de Mom. Ouais, non, dit comme ça, c'est sale. On pouvait plus sortir de... de la salle de Mom. Enfin, voilà. Alors... ça, c'est des trucs cool, mais... mais j'en veux pas. J'essaye de trouver la blanche carte. Bah, dommage qu'on puisse pas désactiver ces machins. Bon. Payer une vie pour un reroll, c'est... oh. Bon, bah, bye bye D6, hein. Tu étais bien. Est-ce qu'on veut autre chose dans le shop, maintenant? J'en ai pas l'impression, on n'a pas de stopwatch. Euh...
On l'a pas encore débloqué, on n'a pas encore la Blue Candle, donc on a tout ce qu'il nous faut. Ok, d'accord, on a... Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut le wafer. Ce serait l'idéal, en fait. Hein. Sadonian, oh putain. Enfin, il me troll bien. Bon, je suis sûr de l'avoir déjà eu, cet objet, donc bon, j'en fous. Il y a des chances qu'on puisse trouver à cette salle pour faire un autre reroll. Enfin, sans choper de batterie. Hein. Amnésia, non merci. Après, évidemment, hein, ne jamais utiliser la rune Pertro. Sinon, ça casse tout, tout notre délire. On va pas prendre de risque avec ça. Voilà, on est assez rapide. Ouais, ça sera bon pour le reroll. Parfait. Ok, bon, ça se passe plutôt bien quand même. Le jeu coopère un minimum. Ah, bah non, peut-être pas. Bon, ça va, on a assez de damage pour ça. Il est maintenant 9h30. Merci, Canadien. Ouais, cette run dure un... dure depuis un moment déjà. Hein. Alors, c'est... ce sera une breaking run, donc elle... ça risque de durer encore plus longtemps. Qu'est-ce qu'on voudrait aussi, le D20 peut-être? Ouais. Ah, que le D20 c'est l'objet parfait pour du breaking. Bon, après il nous faudrait le D20 plus Pertro, je suppose. Enfin non, plus le... plus la blank card dans le même niveau. Un truc comme ça, bon bref. C'est vrai qu'on a une golden key, j'avais zappé, donc on peut carrément aller en bas. Ouvrir tout ce bordel. Une autre golden key, ce serait mal. Dommage qu'il n'y ait pas d'effet lorsqu'on en a deux. C'est intéressant. On a assez de bombes, donc on peut check ça. Quelle est cette carte? Card Against Humanity, non. On va utiliser à l'infini, mais je vois pas trop l'intérêt. Surtout ce que ce qu'il nous faut, c'est des rerolls. Alors, on veut toujours, bien évidemment, trouver la secret room, si possible. Enfin, non, je veux dire, surtout trouver des objets dans la secret room. Ok, bon, elle devrait être là. Une autre batterie, là, décidément. C'est pas mal. Miter, sympa, mais c'est pas ce qu'on veut. Ah oui, mince. Je crois qu'on a fait une grosse connerie. Ouais. En prenant la batterie, en fait, je ne pourrais jamais utiliser... comment s'appelle cette connerie? Enfin non, en prenant le 9 volt... je ne pourrai jamais utiliser le sharp plug, donc c'est très con. Ouais. J'avais oublié ce détail. Bon, c'est toujours des conneries, hein, apparemment. Non, sérieux. Donc, ouais, bon, bah... est-ce qu'on veut le wafer maintenant? Pas vraiment, quoi. Enfin... plus vraiment. Le Hello est pas mal, hein. J'ai pas reroll de damage up encore. Bon, bah on va faire ça comme ça alors. Qu'est-ce qu'il me reste à reroll? Pas grand chose, j'ai l'impression. Ça sert à rien ça, non? Ouais, non. Oui, c'est vraiment dommage que j'ai oublié ça. Ouais, tiens, j'avais oublié le Donation Machine, tiens. Allez, est-ce qu'on peut débloquer la Blue Candle ici? Bon, on n'a pas assez de thunes normalement, mais... ah, non. On a donc une autre batterie ici. Et ouais, en fait, ça sert à rien de reroll ça, surtout qu'on veut pas l'acheter. Bon, je suppose qu'on va garder ça pour un potentiel Devil Deal, donc ouais, bon.
On prend ça et on file. Ok, bon, bah... C'est pas encore idéal, on a pris la 9 volts, on aurait jamais dû. Ça m'avait échappé. Bon, tant pis, hein, ça arrive. Attends, on a explosé, c'est dingue. Évidemment, on va dans The Chest pour avoir plus d'items à reroll. Les deux sont de bons objets, mais c'est pas ce qu'on veut. Bon, on sait qu'il y a un damage up associé à ce truc, donc on va le prendre. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Pam 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 pam. Je sais pas trop le D20, mais bon, je vois pas trop comment on pourrait le trouver celui-là. Dans une arcade, sans doute. Mais pour ça, j'aurais dû garder 5 cents, donc ouais, j'ai un peu fait de la merde, je crois. J'ai pas mal fait de la merde, et j'aurais dû faire exploser celui-là. Tant pis. Bon. Ouais non mais c'est con, qu'est-ce que je fous? J'en ai aucune idée, bon tant pis. On a un bon damage mais ouais c'est forcément si on a rien à reroll ça nous aide pas. Ouais du coup on n'a pas pris la batterie j'imagine. Donc ouais je pourrais pas surcharger mon truc. Bah, parlant de batterie. Bon, c'est vrai que l'idéal là c'est de tomber sur une secret room avec un objet. On va essayer de faire ça tout de suite. Bon, ça peut être là. Ça peut pas être là, donc peut-être ici. Ah bah non. Du coup j'en ai aucune idée pour l'instant. Bon, toujours un damage monstrueux, donc ça c'est cool. Ouais, tu es pas mort toi? Qu'est-ce que tu fous? Encore une bombe, ok. Ah, enfoiré! Pourquoi on a un bouclier? Ah bah on a le Polaride, je suis bête. Forcément. Ouais, je sais pas tout ce qu'on fait là, mais... Je suppose que ça peut être là. Ok, allez, donne-moi un objet. Ah, dollar. Non, dommage. Dollar. Il suffit toujours. Ouais, bah merci. Bon, ça n'aura pas d'objet, donc c'est con. Bon. Il pourrait y avoir un objet là, mais bon. C'est pas génial. Enfin, c'est pas très accessible, bon, disons. Bon, je peux toujours aller là-dedans. Voir ce qu'il y a. Non, je peux pas ressortir, malheureusement, évidemment. C'est un peu con. On perd de la vie, mais bon. On va garder 5 cents pour une potentielle arcade au niveau suivant. Bon, de toute façon, Dark Bomb, voilà, il nous aide bien. C'est vrai qu'on a toujours une batterie ici, hein, elle nous sert pas vraiment. Ah, n'oublions pas qu'on a la Goat Head, donc on pourrait reroll un Devil Deal. Plusieurs fois. N'oublions pas ça. Mr. Fred, bon, il devrait se faire exploser. Oh putain, le damage que je lui fais, c'est monstrueux. Évidemment, on s'est pris, ça a traîné à la con. C'est fait exploser. C'est un objet clé, est-ce qu'on en veut? Pas vraiment. Krampus, ok. Explose Krampus aussi. Le Lump of Coal. J'ai mis l'Xbox. J'ai pas tellement envie de reroll le Lump of Coal, quoique on pourrait en fait. Bah on a des trucs à reroll donc bon. Allez, YOLO. C'est un peu bête parce que c'est un bon damage mais bon.
C'est dommage que je ne puisse pas me débarrasser de la batterie d'ailleurs. De la 9 volt plutôt. Mais bon, tant pis. C'est mon erreur, hein. À faire avec. Il n'y a pas d'autres batteries dans la map, je suppose, non. Il est où? Il est là. Et. Guppy Stale! Nice, on est devenu Guppy. Ok, bon, ça valait le coup. Ça valait carrément le coup. Et maintenant, en plus, on vole. Ce qui nous facilitera certains trucs. Ah bah, du coup, on peut ouvrir le coffre de tout à l'heure. Qui sait, il y a peut-être un truc à reroll. Absolument pas, bon. Attends. Y'a pas une Balls of Steel dans le tas, je sais que j'en avais une à un moment. Tears up, ouais, nickel. Tears down, non. Ok, bon. Bon. Je m'attarderais bien un petit peu plus dans le niveau, ce qui sait, si jamais y'a un. Il y a un seed ou un truc comme ça. Bref, un truc qui me donnerait un objet, quoi. Bon, j'essaie toujours de faire un peu de breaking, même si, bon, le fait d'avoir pris la... La 9 volt me... m'explose un peu. Enfin, ça m'empêche d'utiliser le sharp plug, quoi, ce qui est un peu con. Mais bon. Bon, plus de Devil Deal, malheureusement. À moins de trouver des Joker cards. Bon, on est Guppy, donc on génère 3 milliards de mouches. Et ça, c'est cool. Ah, nice, on a ceux-là. Ok, bon, on va commencer par lui, bien sûr. Bon, l'idéal, ce serait de retrouver le D20 ici. Bon, ça peut être un peu compliqué, mais... Donne-moi un objet, toi. Ah, fuck. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des vies pour de la thune? On va dire oui. Bon, et toi, donne-moi un objet, s'il te plaît. Merci. Que je ne vais absolument pas prendre. Ah, quoique, hein, elle se... Ouais, mais non. Oui, je vire mes vies, c'est un peu abusé, mais... Allez, donne-moi un objet, toi. Ah, sérieux. Justice, ok. J'ai un peu peur d'utiliser là, si jamais c'est une troll bombe. Nickel, comme ça je regagne de la vie. Devil... Ouais, non. Très utile là tout de suite, bah c'est cool, du coup je peux refaire ça. Allez, donne-moi un item. Attends, connard, donne-moi un item. Balls of Steel. Fou là, ça sert à rien. Putain, il est sérieux. Est-ce que je veux donner plus de... Ouais, attends, déjà on va... Je vais voir si je peux récupérer un peu de cœur avec ça. Ça pourrait être une troll bombe, faut faire gaffe à ça quand même. Arrête avec les bombes s'il te plaît. Bon, je vais le refaire une fois, même si c'est vachement risqué. J'aimerais pas reroll deux objets, ok. Parfait. Bon, l'idéal, ce serait d'en reroll 3, mais bon. Bon, allez. Non, pas de cœur, tant pis. Bon, on va voir si la secret room n'est pas là. Non. Ok, bon. Allez, double reroll. Et je me suis gouré. Connard. Bon. Évidemment, j'ai oublié de garder Persro. Bon, on va faire gaffe parce qu'on a plus trop de vie là. Bon, c'est con, on a perdu un reroll pour rien.
On a déjà trouvé le boss, c'est quand même abusé. J'aime pas du tout avoir perdu ce reroll, mais bon, tant pis. Tant pis, donc ouais. Oula, que des objets pourris. Horrible. Le range down, je peux aller se faire foutre, merci. Ça peut être pas mal d'avoir un cartridge. Bon, je sais pas trop comment. Bref. Bon, je pense que nos mouches vont quand même bien nous dépanner. Ouais. Pourrait, mais. Non, pas deux rerolls dès qu'on peut. C'est-à-dire maintenant. Putain, notre damage est monstrueux, c'est quand même abusé. Allez, allez, bon. Encore un petit double reroll. C'est Docteur ou Epicletus. Bon, on s'en fout, on a déjà eu les deux. Mumswig, intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut, bien sûr. C'est dommage, c'est génial. C'est parti pour un autre reroll. Ça se passe bien quand même. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du breaking. Ah ok, bon, toi. Toi. Vas-y, est-ce que tu peux me donner un blood bag ou un ivy bag, toi? Malheureusement non, ça aurait été cool. Bon. Voyons si lui il peut me donner un truc. Parce que bon, dans l'absolu on pourrait faire un quadruple reroll, mais bon. Bon, il n'y a plus trop de salles par contre, je pense. Ah, c'est vraiment dommage cette histoire de Sharplug. Bon, j'aurai plus attention la prochaine fois. Hein. Moi des cœurs toi parce que bon. Ou alors Fly Love. Allez, me troll pas toi. Décidément. Il veut pas. Je sais jamais quand il s'active cartridge. Peut-être quand je me fais toucher. Bon. J'en sais rien. Perds mes mouches à force, c'est con. Je sais pas si le Lucky ça m'aide pas à avoir des trucs d'ailleurs. Je sais jamais, bon. Je pense pas l'avoir pris, le Yam Heart. Donc je vais le prendre. Oh bordel, il me donne rien ce con. Ah, Fly Love, file-moi. Ah, dommage. J'aurais eu mon triple reroll, ça aurait été cool. Au moins, file-moi des vies, histoire que je regagne des vies avec Darkbone, quoi. Merde. Il veut pas. Pff, sérieux, hein. Ah, je te déteste. Oh, putain, il va se faire exploser. Oh, bah, ça va. J'ai réussi à dévier la bombe, par chance. Ah, bah, merci. Nice. Allez, suffisamment encore. Ah non, bon. Parce que bon, dans l'absolu, je pourrais utiliser un cœur pour essayer d'avoir un autre reroll grâce à la Blood Bank. En faisant payer la Blood Bank, quoi. Bref. Et là, si on trouve le D20, voilà, ça... Bon. Malheureusement, comme j'ai dit, on n'a pas le... On n'a pas le Sharplug parce qu'on a fait une connerie, mais bon. Bon. Ah, allez. Nice! Triple reroll, ok. Bon, on va rester là pour l'instant. Bon, par contre, ouais, comme je dis, il nous reste plus trop de salles, je pense. Bon, surtout s'il me file des trucs comme ça.
Ah l'enfoiré. Sérieusement, je me suis pris des dégâts là. C'est vraiment pas le moment. Oh, je vais me prendre de la poupe en plus. Ah bordel. Bon, c'est qu'on a pas tant de vie que ça, donc bon, faut quand même faire un minimum attention. Lust. Oh, il est passé le Balls of Steel qu'on a eu tout à l'heure, mais non. Merci Darkbum, tu gères toujours. On a gagné des thunes. Il n'y avait pas une. Non, pas de Tinted Rock. Je pense pas qu'on aura un autre reroll. Par contre, on a toujours pas trouvé la Secret Room. Faudrait qu'on le fasse. Donc, ouais, on sait jamais. S'il y a un objet dedans. C'est aussi vachement important, donc bon, ah. Je sais pas ce qui se passe si je reroll un objet dans la Secret Room, je pense que... Ouais, non, je pense que ça devient un objet de Secret Room. Parfois, on a des trucs dans ces machins, donc bon. Il faut quand même qu'on essaye, hein, parce que les objets qui nous manquent, c'est surtout des objets de Secret Room. Allez, triple reroll. Mums, Perfume, Lost Contact, Fireman, je crois, ouais. Et tout est intéressant, mais... Toujours pas ce que je veux. Hein, je pense pas qu'on aura assez de reroll. Poison Touch, ouais, non. Attends, on en a deux ici. C'est con si jamais. Si seulement je m'étais pas fail avec le Sharp Plug. Bon, j'aurais quand même perdu masse de vie, mais. En fait, j'en veux aucun des deux de ce machin. Enfin, si je veux ça, mais pas able. Bah, si je vais le prendre parce que sinon il va réapparaître. Bon. On va aller dans la Curse Room, ce qui est quand même con vu que j'ai encore perdu de la vie, mais bon. Oh putain, non. Bon, il n'y a aucune chance que. Hein, quoique. Attends, est-ce que j'ai fait les boss là-haut? Non, ok, bon, on va faire ça. On va avoir un autre reroll. Un dernier. Ah, cool, un cœur. Ça me rassure. C'est vrai qu'on les explose quand même, hein, c'est assez dingue. Ça devrait être la même pour Eclipse. Ah, Dark Bomb, je t'adore. Donc oui, on va pouvoir se faire un autre reroll. Est plutôt cool. Oh putain! Je sais pas ce qu'il a one shot, c'est sans doute mes mouches, mais c'était violent. What the fuck? Ok, ouais, on est légèrement cheaté là. Alors, dernier reroll. Ouais, pas terrible. Hein. Je préférais les objets d'avant. Mais bon, faire avec, hein. On peut plus reroll, donc on va faire ça. Bon, je sais pas trop ce qui est le mieux, bon, prendre ça. N'oublions pas qu'on va dans la cathédrale, bien sûr. Et là, bon, faut qu'on trouve d'autres trucs à reroll. Si, ça va être un peu compliqué, mais bon. En tout cas, c'est bon, c'est pas vraiment une breaking run, mais pseudo breaking run. Je m'étais pas fail de façon débile avec avec Sharp Plug, on en serait pas là, mais bon. C'est pas grave. Un jour, j'arriverai à faire une breaking run parfaite. Oh, pentagramme. Je pourrais reroll, mais... Bon, reroll un pentagramme, c'est un peu abusé. Ah, c'est du damage. Regarde-moi ce damage monstrueux. Ah, c'est génial. Voilà, surtout devoir rentrer à nouveau dans la Curse Room pour le reroll. Bon, à part si on avait une Secret Room ici, ce qui serait assez dégueulasse. Évidemment, on aurait pu... Oh! Forget me now, j'en veux pas. Mais on a enfin...
Notre secret room, Harry Roll. 99 bombes, on s'en fout, je crois qu'on l'a déjà eu. Je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà eu. De toute façon, avant de faire cette run, j'ai regardé les objets qui me manquaient et... celui-là n'en faisait pas partie. Ah! Je sais qu'il me manque la Celtic Cross. Et comment il s'appelle ce truc, le... Le machin. Bref. Ah putain, qu'est-ce que je fous? Je dois faire du reroll, bordel. Non, non, pas le Cursed Eye, hein, surtout pas. Le machin qui nous donne de vie, bref, je sais jamais. Après qu'il fait, hein, cool. Je vais arriver. Le dernier objet que devait trouver Northern Lion pour avoir le Platinum God, je sais plus. J'ai déjà oublié le nom, c'est génial. Le damage, quoi, c'est monstrueux. J'ai envie de dire le lame, mais c'est pas du tout ça. Je crois que c'est le foie en anglais. Il y a des bras bizarres à côté. Raw liver, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est le foie. Effectivement. Le Raw liver. Encore des trucs à reroll, c'est cool, mais c'est pas... Bon, y a des pigeons à la con à côté, j'espère qu'on les entend pas, ce serait débile. Je peux pas les dégager là tout de suite. Alors... ouais, bon, c'est cool ça, je savais même pas qu'on pouvait l'avoir là-dedans. Bon, allez, allez. On a déjà trouvé le boss, ouais, c'est pas ce qu'on veut par contre là. Hein. On veut plus de salles. Chestception, un cœur. Yeah! Dark Bomb, génial. Ah, ok, bon. Alors, on n'a plus qu'un seul reroll après avoir battu Isaac. C'est un peu con, mais bon. Les mouches, c'est monstrueux quoi. On s'est fait toucher un peu de façon débile, hein, mais c'est pas grave. C'est ça que je préfère, hein, faire des rerolls ici et peut-être avoir ce que je veux. J'ai pas ce que je veux, bon, tant pis. Bah, j'ai pas d'autres, solutions, donc bon. Pas trop ce que ça aurait pu me donner, ça. Samson's Chain, c'est pas forcément génial comme truc, mais... Je vais casser des roches avec, bon. Qui sait, il y a un crawl... Oh putain. Hey, qui sait, il y a un crawl space, ah. Et oui. Bon, pas de black market, bon, c'est le tic, c'est con, mais... ça aurait été marrant qu'on tombe sur un black market et que du coup, j'ai plein de trucs, bref. C'est assez drôle. Ah. Bon. Pas mal. Allez. The chest. Voyons ce que le chest nous réserve. Est-ce qu'on arrivera à faire du breaking ici? On verra bien. Tourne, ça m'intéresse pas. Ça non plus. Oh putain. Battle of Pills. Balls of Steel, ok, hein, merci. Ah, mais qu'est-ce que... What the fuck? Bon. Pouvoir constater notre... puissance de notre damage... c'est complètement abusé. C'est génial, bon. Ah non, run vachement cool en tout cas, même si c'est pas du pur breaking comme j'aurais voulu, mais... Bon. Fallait pas prendre la 9 volt, hein. Ah putain.
Bon, évidemment, ce que je reroll là, c'est surtout les 4 objets principaux. Il y en a 4 surtout. Ah, le triple shot là, il serait assez violent. Je sais pas du tout ce que Libra ferait dans ce cas là. Je pense que ça boufferait tout mon damage en fait, donc ce serait con. Bon. Autant j'aime bien triple shot, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Ce serait bien qu'on puisse accéder à. Blablabla, j'arrive pas à parler. Qu'on puisse accéder à Mega Satan aussi. Ce serait assez cool. Ouais, non, fuck, j'irai là plus tard. Death, il va prendre cher. On explose tout, c'est dingue. What the fuck? Qu'est-ce qui m'a touché? J'en sais rien, bon, tant pis. Ah. Un cœur, merci Dark Bomb, toujours au top. Le wafer. Ah, bordel. Ah, si seulement j'avais pas pris la 9 volt, on aurait eu le wafer, on aurait pu... limite avoir des rerolls infinis. Bon, c'est con. C'est con, c'est con. Il est maintenant 10h. Merci, Canadien. On a déjà une heure de vidéo. Je sais plus si on l'a eu cancer. Il me semble que oui. Je sais que c'est un old setup. Ah, je peux pas utiliser mon truc, bon. Bah, du coup, le wafer, il me sert un peu à rien, là. Est-ce que je veux continuer à tout reroll ou alors est-ce que je prends cancer? Bon, c'est pas le meilleur damage up du monde, donc bon. On va continuer à les reroll, hein, allez. Essayons de trouver Tatsuki d'exploser Mega Satan si possible. Ce serait marrant. Essayons aussi de trouver la Secret Room, hein, qui sait? C'est que si on trouve un truc à casser là-dedans, ou une carte, ou une connerie comme ça... Enfin... Donc ouais, maintenant, toujours faire gaffe si je veux faire du breaking, à ne pas prendre la 9 volt. En plus, je le savais très bien, mais bon... Donc ça fait des siècles que... J'avais pas touché... J'ai complètement zappé, bon tant pis... Ça m'apprendra... Bon, ça m'étonnerait qu'on ait l'occasion de reroll ça, mais bon. Ah, double adversary! Bon, ça fait toucher, mais... Bon, pas l'occasion de reroll ça. Là. Ah. Je pense qu'on va sur... Oh putain! J'allais dire, je pense qu'on va surtout essayer d'avoir des objets qu'on n'a jamais eu, mais... Bon, je dois forcément prendre Proptosis. Oh putain! On a bien Stigmata aussi, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Oh, putain, c'est monstrueux. C'est génial. Yolo. On explose tout, c'est abusé. Ah. Ah, c'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas pu... Bon, ça doit être clean, un truc comme ça. Quand on n'est pas géré au niveau des machins... Oh putain, non mais là, ça devient complètement monstrueux, là. C'est quoi, ces tirs? Donc ici, on peut toujours trouver le descend et faire d'autres conneries, mais bon. Mais on n'aura plus la blank card, donc ouais. Part si je trouve... non que j'y pense, ce serait faisable dans l'absolu, hein. Mais bon. Ah bordel, ça continue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon. Aucun des trois ne m'intéresse. Spoonbender pourrait être marrant, mais... Par contre, ouais. Ça commence à devenir limite au niveau des... Je pense qu'on va prendre cela au cas où, histoire de pas retomber dessus. Je pense pas que ce soit possible, mais bon, bref. Ouais, au niveau des rerolls, ça va être galère, là, bientôt. C'est dingue. Je crois qu'une mouche suffit à one-shot n'importe quoi. Hein. Ce qui est complètement abusé. Ok, ouais, le boss devrait pas être très loin. Est-ce qu'on veut une vie? Non. Ouais, non, il y a encore une salle ou deux, non?
Bon, le Hound, il est pas mort, sérieux. Ah là là, bon. Je crois que le descend, c'est le truc qui pourrait peut-être nous permettre de... Bah, je pense qu'on perdrait notre wafer de toute façon. Enfin, on perdrait tout, donc ouais, ça marcherait pas, je pense. Il faut aussi Monster Manual, ouais, si tu veux. Guardian Angel. Ouais, je pense que ça va pas le faire, là. Pour un autre reroll. Enfin, qui sait, on sait jamais, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ouais, non, c'est terminé. Dommage. Bah, on était à un reroll près, mais bon. Bon, je vois pas comment la Super Secret Room pourrait avoir un autre truc, mais... Bombs Arky... Balls of Steel, ouais, tant qu'on y est. Ça pourrait toujours être une 48 Hour Energy, mais... Ah, j'ai toujours la rune Pertro, en fait, en y pensant. C'est pas faux. J'avais oublié ça. C'est vrai que j'ai toujours la rune elle-même, bon. Bah, du coup, allez, je l'utilise, hein. J'ai pas le choix. Oh putain, bon, les derniers objets sont pas ouf. Et oui, malheureusement, j'ai pas trouvé de... Dead Ski encore. C'est vraiment dommage, là, pour le coup. Ça aurait été bien cool. Donc ouais, non, j'ai aucun moyen de recharger ça. Bah tant pis, c'était quand même bien fun comme run, hein. Bon, on avait Forget Me Now au niveau précédent, mais ça aurait pas suffi à nous donner ce qu'on veut. Non, j'en veux pas de ça. Allez, allons, one shot Blue Baby. C'est parti, YOLO. Oh bordel, on y est bien cheaté. Non, malheureusement, je pourrais pas battre Mega Satan ou continuer, mais bon. C'était une run bien sympa. Bon. Nice, nice. Voilà pourquoi j'adore Isaac. Parce que bon, si on n'avait pas eu la capacité de reroll, hein, on serait pas tombé sur... sur tout le reste, donc bon. Après bon, ne plus faire les mêmes conneries pour... pour le sharp plug, hein. Et j'aurai une vraie banking run bientôt. Ça, ça peut être cool. Bon, pourquoi j'ai laissé la cinématique. En tout cas, c'était une run bien sympa. Et je pense que dans l'épisode suivant, soit on refera un truc comme ça dans le même genre, soit peut-être on essaiera de trouver l'objet Steven. On verra bien. Bon, bref. C'était bien cool. Bon, c'était Merlabos pour l'épisode 109 de Rebirth, et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine.